Wesh les potes, c'est Washo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je sais très bien que vous aimez beaucoup mes vidéos 5 dribbles efficaces au foot. A chaque fois j'avais l'habitude de vous expliquer des dribbles, mais c'était juste les dribbles basiques. Et ce que je me suis dit, c'est que ça serait cool de vous expliquer un dribble mais plus en profondeur. Parce qu'il y a plein de manières de faire un dribble, il y a plein de manières différentes. Et aujourd'hui je compte vous apprendre différentes manières de mettre un grand pont. Donc c'est un nouveau concept, à vous de me dire si vous aimez ou pas. Si vous aimez, c'est très important, faudra mettre un petit pouce bleu pour me le dire. Et aussi un commentaire, et après j'en referai. Parce que moi franchement je trouve que ça peut être intéressant. Encore une chose, je vous mets mes deux réseaux sociaux, donc Snapchat ici et Instagram ici. Bon, j'ai un peu trop parlé les potes, c'est parti pour les 10 manières de mettre un grand pont. Les potes, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc désolé, j'ai pas pu en mettre 10 des dribbles. Normalement le concept ça va être 10 dribbles, mais on avait plus le temps, donc 9, c'est déjà bien, commencez pas s'il vous plaît. Et comme j'ai dit au début de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos de ce type. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche comme ici, comme ça vous aurez toutes mes vidéos, vous aurez une notification sur votre portable et sur votre ordi. Et sur ce les potes, je vous dis à la fois pro, c'était Washo. That they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me.